Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle de quoi? Du temps. On nous présente le cadran. Est-ce qu'on a besoin de temps? Quelque chose qui demande du temps. On a peut-être aussi besoin de temps pour guérir. On parlerait de rétablissement. Continuons. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut. Le facteur temps est important. Allons-y. Bon, ici, on nous présente l'alliance, les alliés, main dans la main, nous nous accompagnons, l'énergie du couple, l'énergie de l'union des différences, l'énergie du mariage, l'union de nos différences. Ensemble, nous nous soutenons, continuons, les alliés, je t'accompagne, nous nous accompagnons, allons-y, continuons. Ferme. C'est clair et net ici. Pour moi, c'est un engagement. Nous nous accompagnons. C'est ainsi. C'est clair et net. On me présente deux personnes engagées l'une à l'autre. Continuons. Sur le temps maintenant, sur l'horloge, sur le cadran. Un masculin dans ses pensées. Il pense, il est préoccupé. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il préoccupe? Qu'est-ce qui le préoccupe, ce masculin? Il est préoccupé par le temps. Il pense, il est dans sa tête. Et ici, une autre personne l'accompagne. On nous présente les alliés. Je te soutiens. Continuons. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il est préoccupé par le temps. Continuons. Bon, ici, la papesse à l'envers. C'est comme s'il devait garder un secret. Il ne peut pas en parler. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il ne peut pas parler de quoi? Bon, ici, on nous parle de la carte du bien-être et du cadeau. Mes deux cartes sont à l'endroit. Il y a un secret. Il ne peut pas en parler. Un cadeau, un beau cadeau. Une histoire de cadeau. Mais pour quelle raison, ici, on me le présente avec les idées sombres, les inquiétudes. Quelque chose en lien avec le matériel, le don, le cadeau. Bon, attendez, je vais explorer encore une fois. Ici, je ressens le bien-être, je ressens l'abondance. Mais qu'est-ce qui le préoccupe? Le temps. Il est préoccupé par le temps. Il pense. OK, continuons. Ici, là, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la papesse à l'envers? Ou non, je vais explorer plutôt les pensées sombres. Que voulez-vous me dire avec les pensées sombres? Il est préoccupé. Cette personne est préoccupée. C'est un masculin dans ses pensées. L'ombre à l'envers. Donc ici, l'ombre à l'envers. Illusion. Il y a quelque chose de caché qui peut être mensonger. Il est troublé en ce moment. Il est troublé. Il cache quelque chose. Il ne peut pas en parler.
On nous présente la carte du cadeau et du bien-être. Il est préoccupé et on me présente l'ombre. Oh, il doit avoir des difficultés à dormir, c'est certain ici. Des troubles de sommeil, il est réellement préoccupé par le temps. Le temps. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte du bien-être et du cadeau? Allons-y avec une nouvelle carte. Le bien-être et le cadeau. Bien ici, c'est la carte du diable, vouloir faire plaisir. Il veut faire un cadeau. Ici, c'est la dame de cœur. La mère, la dame de cœur, une femme de cœur. Il veut faire plaisir à une femme. Il ne peut pas en parler. Il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose dans l'ombre. Mais il est préoccupé par le temps. Il est inquiet. Il pense beaucoup. Il veut, ici, la carte du diable, ici à l'endroit, c'est une carte qui est très jouissive. C'est une carte qui me présente aussi une personne qui est très passionnée. Une personne généreuse aussi. Il veut donner, il veut partager, il veut offrir. C'est une carte qui nous parle de plaisir. J'ai une entente avec mes cartes. Quand mon diable est à l'endroit, il me présente une personne qui aime profiter de la vie, qui aime avoir du plaisir dans la vie. Pourquoi pas? Il peut se le permettre. Il est à l'aise financièrement. Ici, on dirait qu'il veut offrir. C'est quelqu'un, c'est un masculin qui est généreux. Mais qu'est-ce qui le préoccupe? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Bon, on a commencé ici avec ferme. J'ai l'impression qu'il est en couple, il est engagé, mais il est préoccupé, il est troublé. Pour quelle raison? Il y a quelque chose qui semble être caché. Il ne peut pas en parler. Continuons. Parle-moi de ce qui te trouble. Il a besoin de temps. Il a encore besoin de temps. D'accord, continuons. Ici, le long chemin. Pourquoi le long chemin? La route, faire de la route. Il a besoin de temps. Il y a peut-être une distance. La route est longue, le long chemin. Il y a peut-être une distance entre lui et elle. Une distance, ça prend du temps. OK, continuons. On doit faire de la route. Oups, attendez, une carte est tombée. Le travail. Bon. Qu'est-ce qu'il préoccupe? Le travail, et en dessous du paquet, j'ai la carte qui me parle du bon revenu. C'est quelqu'un qui réussit bien sur le plan travail. Une personne accomplie, c'est la carte qui me présente la personne gagnante qui réussit dans la vie. Il est préoccupé par le temps. C'est l'ombre ici, là. L'ombre et ses préoccupations, c'est ça qui me chicote. Attendez, je vais explorer. On dirait qu'il y a quelque chose de caché. Est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il est à la recherche de quelque chose, de caché? On dirait ici qu'on... Attendez une minute. Il pense. On dirait qu'il cherche... Il est préoccupé. Il y a quelque chose de caché. Il fait peut-être face à des gens qui lui cachent la vérité. Oui, il cherche. C'est un homme engagé à la recherche de quelque chose. OK, attendez. Qu'est-ce que tu cherches? Il y a quelque chose là ici qui lui est caché. Oui, c'est comme s'il n'arrivait pas à voir la vérité. C'est comme si on lui mentait. Oui,
OK. Quel est ce mensonge? Attendez un peu. Quel est ce mensonge? On lui ment. Il y a un jeu d'illusion. Il est mêlé. On rencontre des personnes ou une personne aux mille visages. On ne voit pas clair. OK, attendez. Il cherche. Il est engagé. Pour moi, c'est clair ici qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne. Mais il fait face à une ou... Ici, là, il y a quelque chose dans l'ombre. Il a un mauvais pressentiment. Il le sait que ça pue. Il y a quelque chose ici qui pue. Et il le sait. Mais il n'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. Il a besoin de temps. Il pense. Il cherche la vérité. Continuons. Bon, le guide. Le guide qui nous parle de quoi maintenant? Une personne de bon conseil. Une personne qui a des valeurs. Une personne qui... des valeurs, des croyances religieuses peut-être aussi. C'est une personne qui accompagne. OK, une personne qui accompagne. Parlez-moi encore. J'ai besoin d'une carte sur la papesse à l'envers. La papesse à l'envers. Il y a quelqu'un d'hypocrite là, dans son jeu. Il y a quelqu'un d'hypocrite. Donnez-moi... une carte sur la papesse à l'envers. Ou une personne qui a des facultés et qui utilise mal ses facultés. J'ai besoin de détails. Sur la papesse à l'envers. Ou une personne qui ne peut pas parler. Donc, c'est peut-être pour ça que cette personne... Il y a une personne qui doit garder un secret. Elle ne peut pas le dire. Elle ne peut pas parler. Et l'homme que je rencontre en ce jeu cherche la vérité. Il est préoccupé. Il voit l'illusion. Il voit le mensonge. Il sent, il pressent quelque chose. Ça pue. Mais il n'a pas encore mis le doigt sur ce qu'il cherchait. Il a besoin encore de temps. Bon, présentez-moi là une carte pour la papesse à l'envers. Donc, il y a une personne ici qui porte un masque. Qui a un double visage, qui ne peut pas parler, qui doit garder un secret. Parce que quoi? Parce qu'elle pourrait perdre quelque chose, une somme d'argent. Il y a une personne ici qui ne peut pas parler, qui doit garder un secret parce qu'elle pourrait perdre une somme d'argent. Bon. Donc, il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Allons visiter la carte de l'ombre. La lune à l'envers. Mauvais pressentiment. OK. Oui, il y a un blocage, blocage émotionnel. Il y a un blocage. OK, on veut sortir de l'illusion, mettre un frein à l'illusion, mettre un frein au mensonge. L'homme que je rencontre ici, là, qui pense beaucoup, qui a besoin de temps, qui réfléchit, ça l'empêche de dormir. Il cherche la vérité. Il veut mettre fin à l'illusion, mettre fin au mensonge. Il le pressent que quelque chose, il a un mauvais pressentiment. Il y a une personne ici qui lui ment. Qui lui ment. On me la présente comme étant un guide, une personne qui accompagne, une personne qui offre ses conseils. Mais cette personne doit garder un secret parce qu'elle pourrait perdre une somme d'argent. Elle ne peut pas en parler. Elle ne peut pas lui dire ce qui se passe réellement. Et lui, ce masculin, cherche la vérité. Mais si cette personne là, qui a un double visage parle, elle perd une somme d'argent. C'est une personne qui peut avoir des troubles de santé actuellement. Oui.
Bon, le guide, est-ce qu'on pourrait me donner une autre carte sur le guide? Donc, ce masculin demande des conseils à une certaine personne qui ne peut pas lui dire la vérité parce que, je le répète, si elle s'ouvre la bouche, si elle parle, elle perd une somme d'argent. Donc, il y a un secret ici. Donc ici, il y a un blocage, un frein, bâton dans les roues. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'illégal. Si on en parle, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est une zone de conflit, là, ici, de dispute. On cherche la vérité et on est bloqué. Donc, la carte de l'équilibre à l'envers, c'est une carte qui nous parle d'illégalité. Hors la loi. Il voudrait freiner, mettre un stop à ce qui se passe là. Il y a une zone de conflit, une zone de dispute. Mais la personne ici avec laquelle il peut parler, une personne qui le conseille, ne peut pas parler. Qui est cette personne? Une personne qui conseille. Et aussi, cette personne a probablement des troubles de santé. C'est une affaire ici, une affaire d'argent. Il peut y avoir plusieurs personnes impliquées. C'est une affaire d'argent, plusieurs personnes en affaires. On ne peut pas en parler. Parce que quoi? Il y a un jeu dans l'illégalité. Donc, le masculin que je rencontre cherche la vérité, mais il est bloqué. Il y a des mensonges ici, on ne peut pas lui dire, donc on crée l'illusion. Et lui, il est préoccupé. Il a encore besoin de temps. Il réfléchit. Mais on le garde dans l'illusion, parce que il y a quelque chose d'illégal. Le plan. Pardon, j'ai accroché la caméra. 41, faire des plans. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Pour quelle raison nous présentons le plan? Peut-être ici que cette personne, ce masculin, prend des notes, il essaie de comprendre, de résoudre ce qui se passe là, dans une situation. Il essaie de voir clair. Je vais déposer une carte sur le plan. Attendez une minute. Une carte sur le plan. C'est un masculin. C'est bel et bien un masculin. Un père. Un homme en position d'autorité. L'énergie d'un patron, d'un travailleur autonome. Le plan. Un plan d'affaires. OK, on nous parle d'un plan d'affaires. Mais ici, ce qu'on nous dit, oui, il y a une affaire qui est cachée parce qu'il y a illégalité. Et une personne doit garder le secret. Et il y a toute une illusion, une mise en scène, un scénario pour protéger un secret parce que ça se joue dans l'illégalité. Si une personne parle, elle peut perdre une somme d'argent. Alors voilà, je m'arrête ici et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.